Il y a aussi une grande dame de la musique congolaise que j'aime beaucoup. Elle, on l'appelle la maman nationale. Chalamouana n'est plus. En image, mais peut-être une réaction à la mort de Chalamouana. C'était une compatriote pour vous, vous la connaissez. J'allais justement vous demander la permission de dire, comme je suis particulièrement bouleversé, je suis endeuillé, on se sent aujourd'hui orphelin. Nous tous les Congolais, parce que c'était notre maman nationale, qu'elle repose en paix. Et là, je vous présente ma fille, elle s'appelle Elisabeth Tchala. Elisabeth Tchala. Oui, et porte mon nom. Benga, gela chanza ni kokwa, wewe ni yaya kutu, wakumpinga na museleba. Buluga jilole. Jiwaka benga, gela chanza ni kokwa, wewe ni yaya kutu, wakumpinga na museleba. Meme kusangenele, oh, tuene moja, kule shibango cha moshwa, mukopa moshe mnyele, chana na yaya kutu. Meme kusangele, oh, tuene mujini, kuleshi bango cha mushwa, mukopa mushe mnene, chana na ye akuto. Chena kupwa moyo, chibango cha mukau, tinidi mushingu cha menwe wakasumaye. Chena kupwa moyo, chibango cha mukau, tinidi mushingu cha menwe wakasumaye. Chena kupwa moyo, chibango cha mukau, tinidi mushingu cha menwe wakasumaye. Chena kupwa moyo, chibango cha mukau, tinidi mushingu cha menwe wakasumaye. Vuluga jilole. Jiwaka benga, kena chanza ni kukwa. Wewe ni yaya kwetu, makumpinga na museleba. Meme kusangile. Oh, oh, tuende mujina, kule shibango cha moshua. Mukupa mushe mnene, chana na yaya kuto. Tena kupwa moyo, shibango cha muka u. Chididi mushingu cha meno wakasumaye. Chena kupwa moyo, chibango cha muka u. Chididi mushingu cha meno wakasumaye. Chena kupwa moyo, chibango cha muka u. Chididi mushingu cha meno wakasumaye. Chena kupwa moyo, chibango cha muka u. Chididi mushingu. Justin Dibos. Ça va aller? Ça va aller. Tu vois, tu as chanté, c'est parce que tu as eu de la chaleur. Alors, Justanie Boss, c'est la fille de Chalamouana, hein, est avec nous. Elle va rester avec nous tout au long de cette émission. On va parler de Chalamouana, d'elle-même sa carrière. Parler. Et là, je vous présente ma fille. Elle s'appelle Elisabeth Tchala. Elisabeth Tchala. Oui, elle porte mon nom. Ouais. C'était déjà bien d'entendre ça. Hein. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce qu'elle souffrait? Ben, je sais pas, mais moi je sais qu'elle était pas malade parce qu'elle était ici avec moi, ici à Abidjan, dernièrement là. Donc je ne savais pas. La note triste de ce début de semaine, hein, le départ brusque de cette légende de la musique africaine, hein, Mamie Chalamouana, hein, la reine du Mutuashi, elle a tiré sa révérence le week-end dernier. Et pour parler d'elle, pour lui rendre hommage, on a fait appel à sa fille, Justanie Boss, elle est avec nous dans Showbuzz. Tu vas bien? On va t'aider à avoir un autre moral. On va te donner un autre moral. On sait que c'est vraiment compliqué. C'est perdre sa mère. Ah. Enfin, les douleurs ne sont pas comparables. Ah. Ouais. Tu vas mieux? Un peu. Un peu? Oui. D'accord. On va faire l'effort. On va se donner de la force pour que tu retrouves, n'est-ce pas, ta bonne humeur. Alors, déjà, avant de commencer, toute l'équipe, hein, de Showbuzz se joint à moi pour te présenter nos condoléances les plus sincères. Merci vraiment au fond du cœur. Voilà. Merci. Alors, comment tu as appris la disparition de maman? En fait, le vendredi, moi, je suis malade. D'accord. Je suis malade. J'étais à l'émission Le Cœur des Femmes. D'accord. Avec Déborah. Et puis je fais l'hommage. Directement je fais l'hommage à maman, j'ai chanté, j'ai dansé ses chansons, tout ça là. Après, j'ai envoyé vers 20h, j'ai envoyé à maman la vidéo que je fais l'hommage, tout ça. Elle m'a dit merci. Bonsoir, ça va? J'ai dit maman, ça va un peu, je suis un peu malade. Ah bon? Ok. Et puis elle m'a appelé. Mon téléphone, c'est,
c'est éteint, tout ça là, j'avais plus de charge. Je me suis en charge. Ma tête, j'avais mal à la tête, je ne sais pas. J'avais très mal à la tête. C'était une habitude, c'était quelque chose, c'était comme un signal. Et puis je me suis endormie. Du coup, matin, vers 6h, je me suis réveillée. J'ai pris mon téléphone et puis je vis 6 appels. En même temps, je vis des messages, des jours, beaucoup de messages, des appels de partout. Et j'ai dit non, c'est faux en fait. Parce que nous, en RDC, on a l'habitude de mentir, tout ça là, ces gens de trucs. On a déjà fait ça. Et puis j'ai dit non, c'est ça, des mensonges, tout ça là, c'est pas vrai en fait. Et je vis son appel, j'ai dit mais elle m'a appelé, donc elle est vivante. Donc c'est faux. J'ai commencé à contacter les gens, on ne me répond pas au téléphone. J'ai dit oh. Les gens me disent c'est vrai, j'ai vu des journaux. Et là tu as commencé à réagir. J'ai dit non, c'est faux en fait. J'étais seule à la maison, j'avais personne, je ne savais pas. Du coup là, je suis tombée, j'ai dit non, c'est pas vrai en fait. Elle voulait me dire quoi? Je sais pas. Wow. Donc ouais. C'est comme ça. Ouais, ouais, c'est vraiment triste. Et encore, on dit chez nous, Yako encore. Yako, Ozone. Est-ce que c'était la dernière fois que vous êtes parlé quand tu as fini de faire l'émission Cœur de Femme? Oui, c'est la dernière fois. Est-ce que tu peux nous rappeler exactement ce que vous vous êtes dit? Rien de spécial, elle m'a dit merci pour l'hommage, tout ça. Vraiment merci, va de l'avant, je sais que tu vas mousser là-bas à Abidjan là, je sais que tu vas vraiment cartonner, je te bénis ma fille, tout ça, c'est ça. Oh, ouais. C'était déjà bien d'entendre ça. Hein? Et est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce qu'elle souffrait? Ben, je sais pas, mais moi je sais qu'elle était pas malade parce qu'elle était ici avec moi, ici à Abidjan, dernièrement là. Donc je ne savais pas. D'accord. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait en fait. Et Tchalamona, elle avait combien d'enfants? Donc je ne sais pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Jostani Boss, c'est la fille de Tchalamona, hein, est avec nous. Elle va rester avec nous tout au long de cette émission. On va parler de Tchalamona, d'elle-même, sa carrière. Parler. Dialogue est bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes sur le Congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un bon moment, moi aussi, il y a une idéologie. Francine Nguembe.